Il y a l'invisible, auquel il convient d'ajouter l'indicible. C'est une proposition, un postulat. Passez les gymnastes à confesse pour mieux cerner les affres de la compétition. Chatouillons la mémoire. La revue de détails commence par le récit d'un cauchemar. Le seul cheval qui arrive trop vite sur toi, et toi, parce que les vitesses étaient trop vite, et tu n'arrives pas à arrêter, et à un moment où tu devrais prendre le cheval sur ta poitrine, et là, dans un coup, tu te réveilles, là. Dimitri Karbanenko, des muscles en pagaille, des nuits agitées. Éric Poujade, cheval d'Arçon, si le corps est guidé par l'esprit en compétition, lui est en permanence dans un état second. Par exemple, un championnat du monde, la seule chose que je me rappelle après avoir fait mon mouvement, c'était le crépitement des appareils photo. Je sais pas, je crois qu'on est dans son monde, c'est difficile de vraiment dire ce qu'on pensait à ce moment-là, au contraire, on pense à rien. C'est une histoire d'obsession. Malgré l'expérience, Ludivine Furnon, taraudée par l'échec, cache difficilement son angoisse. Elle somatise. Toujours un mal au cœur, enfin pas un mal au cœur, mais une envie tellement que... On sent des sensations dans le cœur et... Pour elle, comme pour les autres, les entraîneurs sont omniprésents. Bien, c'était bien. Parler, réconforter, sans cesse. My name is Lolita. Dans une chambre d'hôtel avec l'équipe de France de GRS, plus qu'une simple séance de maquillage, un révélateur du moral des troupes. Je les vois une par une aussi, ça c'est important, je vois leurs yeux. Je sens déjà un peu comment ils sont, l'état d'esprit. Ouais. Plus singulier, avant la compétition, chacune répète son passage, le visualise. Depuis longtemps, en gymnastique, on use de la sophrologie pour mieux apprivoiser le stress. Eva Serrano, 5 minutes avant son passage. Derrière, son entraîneur. La méthode oscille entre relaxation, concentration et hypnose. Plus loin, des corps célestes, les trampolinistes qui font leur entrée dans le monde de la gymnastique. Pour le coup, en matière de sensation, c'est le grand 8, la montagne russe, mais sans le public. Trop occupé à encourager les artistes. Pour le reste, on passe la main. À vous de deviser sur les mérites comparés des uns et des autres. Bref, pour quelques secondes, le visible vous appartient.